contact avec un véhicule proche de votre position. Un bon 6. Merci, je vais ouvrir l'œil. Tu manques à de la main. Je viens t'arrêter. J'apprécierais vraiment que tu compliques pas les choses. Bientôt commencer. Je t'attends là où on s'est rencontrés. Vers les étals. Je t'attire pas d'ennui, ok? Non mais c'est pas vrai! Thank you.
devriez inspecter la zone. J'ai perdu le contact avec un véhicule de la Main tout près. Ça marche. Pour m'achever, c'est ça? Non, je viens juste de réinitialiser. Je vais devoir le faire moi-même, alors. Voilà, du calme! Je te ferai aucun mal. Mais moi, si. Pourquoi? Pourquoi tu veux te suicider? Parce que je suis qu'une bagnole dans un monde d'humains. Je suis moche, sans avenir. Et les minables comme toi m'intimident dans la rue. D'autres solutions que le suicide. Quoi? Comme une thérapie? Quelle perte de temps. Les psys détestent les voitures. Nous n'avons pas de mère. Tu pourrais regagner le groupe. Rejoindre le réseau. Vous formez tous une grande famille. De la Main me déteste. Écoute, si tu te suicides, ce sera fini. Il y a toujours une meilleure solution. Tu me fais la leçon parce que je suis une voiture. On est différents. Eh, ça change rien d'avoir un corps. T'existes, tu penses, t'es déprimé. On est pareil, toi et moi. Alors, tu me donnerais le même conseil si j'étais un être humain? C'est pas facile de vivre, Dale. Mais faut s'accrocher. Un virage après l'autre. Bien, je vais rentrer. J'ai repris le contrôle du véhicule. Je vous remercie. Tu devrais lui montrer que tu l'aimes. Enfin, je dis ça. Je regrette. Je ne comprends pas.
et je n'ai pas le temps pour des explications. Des affaires plus urgentes requièrent mon attention. T'es un père absent. Voilà ce que je te dis. Je vois. Dans tous les cas, j'ai transféré une partie de votre argent. Bar ici? Si, mais c'est notre bar. Lève-toi, on va faire un tour. Hé, hey, foutez-lui la paix, cabrones! V, va apprendre à ces connards à bien se tenir dans mon bar! Eh, hey, dégage! Mets-toi de ton cul! Vous avez entendu Pépé? Dégagez d'ici. Va chier, Joule! Ou je te planque mon couteau dans le bide! Ah ouais? Je me demande ce que dira Mama Wells. Elle fera quoi si elle vous voit foutre la merde chez elle? Perso, je pense qu'elle vous explosera la tronche au fusil à pompe. Ok, viens, Pedro. Ça vaut pas le coup. On se casse. Merde, va chier! Carajo! Sale connard! Ah ouais? Il s'est passé quoi? Tu t'étais attiré des emmerdes. Mais c'est réglé. Putain, merde! Désolé, je crois que j'ai un peu trop bu. Oh merde, quelle soirée! Mais. Pourquoi tu m'as aidé? Parce que tu te serais fait casser la gueule, ou pire. Cette putain de ville, ces gens. Je suis là, tranquille, je demande rien à personne. Sans toi, je. Tiens, merci pour ton aide. Le reste, je l'ai filé au barman. Ils lui tournaient autour comme des putains de requins. Ça aurait pu être moche si t'étais pas intervenu, V. Ouais, tu devrais peut-être porter une cape. Allez, on va trinquer à ta santé. C'est la maison qui offre. Je refuse jamais un verre gratuit. À la chance et à la prospérité. Dure journée. Tu m'étonnes. J'enchaîne deux services, sans pause. Tu fais des heures sup pour te faire un peu de fric? Non, j'ai juste pas envie de rentrer chez moi. Ça fait 10 ans que je suis marié. Tout allait bien et d'un coup, je suis plus assez bien. Salope. Elle décide de goûter aux autres menus, comme ça. Enfin bref, en parlant de fric, tu voudrais pas me rendre un service, mais... T'inquiète, ce sera bien payé. Je t'écoute. Bon... C'est au sujet de ma femme, Cynthia. Elle me trompe, j'en suis sûr. Mais je veux savoir avec qui. Ben, soit je me laisse ronger, soit j'engage quelqu'un comme toi.
Ça te prendra... pas plus qu'une soirée. Alors que je suive ta femme à travers la ville. C'est où elle est en ce moment? Elle bosse pas loin. Je vais te filer l'adresse. Elle doit faire une pause club, c'est sûr. Elle fume comme un pompier. Comme la moitié de la ville? Attends. Aujourd'hui, je crois qu'elle portait une veste rouge et... elle avait un sac à main bleue, je crois. C'est coloré? Elle a toujours aimé se faire belle. Offre des beaux cadeaux à ta femme pendant 10 ans, et voilà comment elle te remercie. T'es sûr qu'elle te trompe? Déjà, elle me dit qu'elle bosse tard en ce moment. Sauf que je sais qu'elle ment. Parce que j'ai appelé un soir, et ils m'ont dit qu'elle était pas là. Et en plus, on a eu un gamin ensemble, tu vois. Et il me ressemble pas du tout. Ses cheveux, ses yeux, il a rien de moi, ce gosse. Avant, c'était facile de vérifier, mais avec la tech d'aujourd'hui, on peut falsifier n'importe quel test. Pourquoi tu veux savoir avec qui? Ça servira à quoi? Ça servira à quoi? C'est quoi, cette question de merde? C'est une question simple. Réponds. Je veux le regarder dans les yeux et lui demander ce que ça fait de baiser la femme d'un autre et de détruire un mariage. Ok, ok, je marche. Merci, mais tu sais, c'est vraiment important pour moi. À barre sordide, une trahison, une jolie femme. On dirait un scénario de polar à l'ancienne. Pépé était habitué à écouter les soucis de ses clients. Mais ce soir, c'est lui qui avait besoin de parler à quelqu'un. C'était toujours la même histoire. Une femme infidèle dans une ville où rien ne dure jamais. T'as pas fini, j'essaie de me concentrer. Du jour sur N54 News. Je suis Gillian Jordan. Pour la troisième année consécutive, la corporation Militech a été désignée comme le meilleur employeur de Night City. Ce prix prestigieux peut être attribué aux nombreux avantages qu'elle offre à ses employés, comme par exemple 5 jours de congés payés par an, un accès illimité à des stimulants pharmaceutiques et une aide à l'acquisition d'implants. Plus impressionnant encore,
34% des employés de Militech se sont vus promettre un programme de retraite. Toujours dans l'actualité, le NCPD se félicite. V, juste à temps. Salut, Goro. Waouh, t'as l'air de péter la forme, dis-moi. Ah, vraiment? Je me sens plutôt mal. J'ai mangé ce que vous appelez un scopaga. Et alors? C'est bon? Demande aux gens. Le défilé va bientôt commencer. J'ai ajusté les données d'Okada-san. Je te conseille de bien les examiner. Le malware fonctionne. Bien mieux que je ne l'espérais. On a des yeux et des oreilles dans la salle des gardes. J'ai regardé la vidéosurveillance. Je sais où sont postés les snipers. Ils sont trois. Tu dois les rendre inoffensifs avant qu'ils s'occupent de moi. Tu peux les atteindre de différentes façons. Le premier est tout près. Ça devrait être facile. Le second, ce sera moins facile, tu devras grimper. Quant au troisième, il est caché sur la passerelle au-dessus de la rue. On est là. Le char de Hanako-sama s'arrêtera là, près de la sortie de secours qu'on empruntera quand ce sera fini. De ces endroits, tu auras une bonne vue sur le défilé. Mais les snipers verront encore mieux ce qui se passe. S'ils te remarquent, pam ! Adieu le voleur. Mais si ça te paraît risqué, n'oublie pas que moi, je dois sauter sur le char, passer par une fenêtre et parler à Hanako-sama face à face. C'est cette discussion que je redoute le plus. Est-ce que tout est clair? Tu es prêt? Ce plan est complètement foireux. Quand je suis là. Je sais. Je t'en remercie. Remercie-moi si on réussit. Allez, en position. Très bien. Attends mon signal. Sois prudent, Goro. Ok, c'est tout bon. Alors, commençons. Tu dois atteindre tous les snipers avant l'arrivée du char de Hanako-sama. Désolé. Ça va être énorme, cette juxtaposition. On devrait pas être là, tu sais. Allez, rentre. Tu n'es pas loin. Il est presque devant toi. Il regarde la foule, pas ses arrières. Il va rien voir venir. J'attends une réponse. Écoute, j'ai besoin d'être sûr qu'il n'y aura aucun problème. Suspecte dans le secteur 3C. Un junkie barbu près du stand de ballon. Occupez-vous-en. Patrouille, tenez vos positions. Au balcon, deux étages au-dessus, une femme en rouge, sûrement armée. Fausse alerte, je répète, fausse alerte. Elle tient des jumelles. Embarquez le junkie. Goro, je vais descendre plus proche. Maintenant, saute sur le balcon près de la flèche verte. L'ascenseur. Une fois en haut, prends la passerelle pour traverser la rue.
Oda est en train de parler à quelqu'un. Je te connecte. Faut que tu entendes aussi. La sécurité est médiocre. Aucune de nos normes n'est respectée. Hanabusama ne devrait pas être là. Vous discutez les ordres de Yorinobu. Faites votre putain de boulot. Compris. Terminé. C'est ce que nous pensions. Oda est ici. Je te recontacte quand j'ai du nouveau. Je le connais, ce bord de merde. C'est ce putain d'Adam Smasher. C'est le type qui t'a buté? Essaie d'attendre la zone de maintenance. Tu pourras grimper depuis là-bas. La passerelle a pas l'air très stable. Mais bien sûr, tombé. Takemura va pas essayer de te baiser. Je te fais pas remarquer. De toi, pas de ton cadavre.
te tient au jus. Mais, c'est encore Oda. Écoute. On doit annoncer que la sécurité publique est compromise. Elle doit être évacuée sur un saut. Un chacun est parfaitement capable de protéger ses dirigeants. Demandez à votre patron ce qui compte le plus. Ivan Dalafka, l'ami de sa sœur. La situation est sous contrôle. Terminée. Tu as entendu? Ils se rendent compte de quelque chose. Il faut nous dépêcher. Rendez-vous tout de suite! Arrête ça! Thank you.
vraiment pas être à ta place.